L'homélie de cette messe fait partie de nos enseignements sur la miséricorde et on va essayer d'approfondir un peu plus profondément ce lien entre miséricorde et fin dernière. Jésus nous dit « Rien ne sert de gagner tout l'univers si l'on vient à perdre notre âme. » Si le Seigneur est venu prendre chair, s'il est venu mourir sur une croix et ressusciter, c'est pour nous faire participer à sa résurrection. La finalité de ce cœur de Jésus qui vient rejoindre l'homme, au plus profond de son drame, c'est pour justement nous délivrer de ce drame et de la mort, pour que la mort soit anéantie. Nous chantons le samedi saint dans la liturgie ancienne, « Ô mort, héros mort, toi, ô mort, je serai ta mort. Ô enfer, je serai ta morsure. » Si Jésus accepte de mourir, encore une fois, c'est pour que la mort soit finie. La mort physique est toujours là. La mort apparaît toujours comme ce terrible déchirement et conséquence du péché, comme ce drame de l'homme, où un philosophe disait « Tout homme qui naît attend le cercueil ». Et c'est tout le drame de notre vie qui pourrait nous la rendre absurde, et surtout devant les drames du monde et de morts de jeunes, de morts accidentelles. Chaque mort nous ramène à cette vérité première. Nous sommes que de passage, nous sommes des voyageurs. Mais tout le mystère du Christ, tout le mystère pascal, tout le mystère du salut est là pour nous révéler notre finalité. Notre finalité ultime, la gloire de Dieu. Nous sommes faits pour cette gloire et la finalité de la miséricorde, c'était pour que nous puissions un jour ressusciter avec lui. Car si Jésus n'est pas ressuscité, alors nous ne ressusciterons pas, nous dit saint Paul. Et toute notre foi est vaine. Tout l'enseignement de l'Évangile est pour justement nous enseigner que, corps et âme, nous allons participer à la gloire de Dieu. C'est un enjeu considérable. L'histoire de la miséricorde, et vous commencez à vous en apercevoir, n'est pas une histoire à l'eau de rose. L'histoire de la révélation, l'histoire du choix du peuple de Dieu, la venue de Dieu dans la chair, le mystère de la croix, nous montre que c'est à travers des pleurs, des cris, des larmes, à travers la mort, que va aussi s'opérer le salut. Parce que c'est un enjeu considérable, c'est qu'au moment de notre mort, nous allons paraître devant le Christ. Oui, l'Écriture et toute la tradition nous dit, et le catéchisme de l'Église catholique, au numéro 1021, nous rappelle que c'est au moment même de notre mort que nous allons paraître devant le Seigneur, et alors que toute notre vie va apparaître devant lui pour voir dans cette finalité ultime si nous avons été fidèles à la grâce de Dieu ou infidèles. Et alors où nous sommes faits pour la gloire de Dieu, où nous sommes faits pour le refus de Dieu. On ne peut pas faire un christianisme au rabais. On ne peut pas faire un christianisme gentillet. Jésus n'est pas un gentil. Jésus est un passionné d'amour qui va jusqu'à la mort pour nous arracher à un mal qui nous guette. Il est là pour nous donner le mystère de la gloire. Faites votre salut avec crainte, nous dit saint Paul. L'enjeu est considérable. Il est considérable et vouloir dire que tout le monde ira au paradis sans problème, c'est oublier tout ce qu'a vécu le Christ, tout ce qu'a été l'histoire du salut, tout l'enseignement des saints. Vous ne trouverez pas un seul saint qui vous diront « il n'y a pas de problème, tout le monde ira dans la gloire du ciel ». Pas un seul docteur de l'Église vous dira ça. Tous ont agi avec crainte et amour pour nous dire « l'enjeu est considérable ». L'enjeu est considérable. Alors oui, au moment même de notre mort, c'est l'opération vérité. Oui, celui qui est en face de nous n'est pas n'importe quel juge. Celui qui est en face de nous est bien le Fils de Dieu qui nous arrache à la mort par un amour infini. Il est d'abord là pour nous arracher par sa miséricorde à ce qui est notre péché. Mais on peut donc se poser la question, pourquoi l'Église continue-t-elle d'affirmer avec force dans son dogme que l'enfer existe ? Pourquoi l'Église continue-t-elle à travers le Concile, à travers le credo du pape Paul VI, le catéchisme de l'Église catholique et Jean-Paul II qui regrettait dans son beau livre « Entrer dans l'espérance » qu'on ne médite plus suffisamment les fins dernières. Et là, cette apostasie, il faut bien le dire, dans beaucoup d'endroits, de ne plus jamais parler des fins dernières et de l'enfer. Devant ce drame de l'Église, Jean-Paul II pleurait devant cela.
en disant c'est peut-être parce qu'il y a déjà un enfer terrestre que les hommes n'arrivent plus à réaliser que cela existe. Comment pouvons-nous, nous les prédicateurs de la charité et de la miséricorde, encore oser affirmer que c'est une éventualité et que cela peut exister? Parce que c'est tout simplement l'histoire de notre liberté. Parce que c'est l'histoire du sanctuaire de la conscience qui fait que l'amour ne peut pas s'imposer à un homme qui n'en veut pas. Le moment de la mort est l'opération vérité où la lumière de gloire vient en nous, où nous ne pouvons plus rien cacher. Nous ne pouvons pas agir en secret, trouver des faux prétextes, payer des avocats véreux, c'est pas possible. Nous sommes dans la vérité toute nue, où nous devons apparaître tels que nous sommes. Et si un homme, jusqu'au dernier soupir, refuse cet amour, si un homme refuse véritablement cette charité dans son cœur et cette grâce, alors c'est ce que Jésus appelait le péché contre l'Esprit Saint. Celui-ci ne peut pas être pardonné, parce que le péché contre l'Esprit Saint, c'est le refus final de la miséricorde. Jusqu'au dernier moment, le Christ, par tous les moyens de la grâce, veut toucher notre cœur pour nous amener à la gloire. Mais si l'homme n'en veut pas, et nous le rencontrons bien sur terre, comment, et nous-mêmes ça a pu arriver dans notre vie, nous avons pu approcher, hélas, ce péché contre l'Esprit Saint, où malgré, eh bien, toutes les grâces de Dieu, tous les conseils que nous pouvions avoir, nous allions vers le mal, consciemment, volontairement. Alors oui, il y a le mystère, mystère incroyable qui nous étonne, mais d'hommes et de femmes qui peuvent refuser jusqu'à la fin cet amour. Et Dieu ne peut pas aller contre sa propre création, contre ce mystère de la liberté et de la conscience, parce que nous ne pouvons aimer que par rapport à cette liberté et à cette conscience, et nous pouvons alors que nous tourner vers Dieu profondément, en recevant sa grâce, la grâce du mystère de salut dans notre cœur, pour que nous puissions dire oui à ce mystère de la croix et ouvrir notre cœur à ce mystère de l'amour. Seul Dieu, bien sûr, peut voir ce qui se passe à l'intérieur d'un homme. Jamais, qui que nous soyons, nous ne pourrions dire que celui-ci est fini, qu'il est terminé, parce que c'est entre Dieu et l'homme. Mais hélas, nous savons bien que la fermeture du cœur existe. Notre-Dame à Fatima n'a pas hésité, comme catéchèse, à présenter aux enfants des âmes qui étaient dans le feu de l'enfer. Ils en pleuraient et les petits-enfants disent « Si Marie ne nous avait pas assuré du salut, nous serions morts de peur. » Ça veut donc dire que l'enjeu est grave. Si l'homme vient à gagner tout l'univers mais qu'il perd son âme, qu'est-ce que cela lui sert? Alors oui, l'Église réaffirme avec force que le mal est présent dans le monde, nous le voyons tout le jour, et qu'il y en a qui veulent aller jusqu'au bout dans cette recherche du mal, mystère, mystère d'une liberté humaine qui veut refuser pour toujours cette charité de Dieu. Alors oui, l'Église enseigne alors que la peine la plus grave serait un éternel enfer avec ce refus de Dieu, dont la peine la plus grave serait la perte de Dieu. Quand Sainte Faustine est allée visiter l'enfer, elle a dit que dans les sept peines les plus graves qui étaient là, la plus douloureuse était véritablement la perte de Dieu pour l'éternité. C'est ce que les saints essayaient de nous dire, et nous le disent parfois sous différentes formes. Mais ce que l'Église a retenu, c'est surtout cette peine morale la plus grave, d'une peine éternelle qui sait que l'homme qui n'a pas voulu de l'amour jusqu'au bout peut le rejeter. Dire l'inverse serait méconnaître l'histoire de la nature humaine, de la présence du mal dans ce monde. Est-ce un échec pour Dieu? Non. C'est un échec évidemment terrible pour l'homme. Mais à partir du moment où le Christ a donné toute la puissance d'un amour infini pour arracher les hommes à l'enfer et pour leur donner le mystère de la grâce, toute âme sauvée est déjà une victoire éclatante sur celui qui a voulu anéantir le salut. La miséricorde ne peut pas aller au-delà du sanctuaire de la conscience. La miséricorde ne peut pas aller au-delà de la liberté humaine. C'est le respect et c'est l'amour de Dieu qui nous est révélé ainsi dans l'Écriture et dans toute l'histoire du salut. Tous les jours, nous devons dans notre prière dire « Seigneur, fais que je sois avec toi pour toujours et fais que jamais je m'enferme dans mon péché, que jamais jusqu'au soir de ma vie et tous les « Je vous salue Marie » que nous disons, c'est pour que Marie nous assiste, pour que jamais nous puissions tomber dans le péché contre l'Esprit Saint. » Enjeu terrible
mais en même temps une histoire d'amour incroyable et cette crainte que nous devons toujours avoir dans notre cœur pour tout être aimé, de perdre un être que nous aimons, nous devons l'avoir particulièrement pour le Seigneur. Nous devons chaque jour prier pour dire « Seigneur, fais que jamais je ne puisse te perdre ». La miséricorde est telle que Dieu ne veut pas nous laisser dans le mal. Et c'est ainsi que l'Église affirme avec force que nous allons passer comme à travers un feu. C'est-à-dire que tout homme qui meurt dans un état de grâce, mais peut-être avec un manque de charité, avec un manque de fidélité au Seigneur, qui n'a pas laissé la grâce envahir toute son âme pour qu'il puisse véritablement resplendir de la sainteté de Dieu, alors l'Église nous enseigne à travers le catéchisme de l'Église catholique et toute la tradition, particulièrement les conciles de Latran, de Florence, de Trente, le credo de Paul VI, nous réaffirme qu'il y a un purgatoire. C'est pas oublié, le purgatoire. On a l'impression qu'on n'en parle plus. À tous les enterrements, on prie plus jamais pour les morts. C'est quoi ça? L'Église nous invite à avoir cette charité élémentaire. Tous les saints nous invitent à avoir cette charité élémentaire, de prier pour les défunts. Non, non, tout le monde ira au paradis avec la chanson de Moustaki. Mais enfin, Moustaki, pas père de l'Église, aux dernières nouvelles. Et par conséquent, il n'y a plus cette prière et cette charité élémentaire. Et Benoît XVI rappelait qu'il y avait une solidarité de toute notre nature humaine, où nous devons prier les uns pour les autres. Le Seigneur veut que nous ayons cette charité. Oui, nous pouvons passer comme à travers un feu, c'est-à-dire qu'il y a une certaine notion qui n'est pas notre notion du temps, une certaine durée de purification, nous rappelle le catéchisme de l'Église catholique. Daniel Ange dit « Le purgatoire est la merveilleuse création de la miséricorde de Dieu. » Parce que nous avons besoin d'avoir un temps de maturation, de purification intérieure pour voir cette gloire du Seigneur. Et nous savons, eh bien que, comme exemple, que nous pouvons être éblouis. Si nous avons été dans les ténèbres, nous pouvons être éblouis par une lumière et qu'il faut du temps pour s'habituer à cette lumière. Un cœur qui n'a pas suffisamment ouvert, qui n'a pas été suffisamment ouvert à cette grâce de Dieu, qui ne s'est pas laissé transparaître par la grâce de Dieu, a besoin de ce temps de purification pour aller vers lui. C'est la miséricorde du Seigneur qui vient chercher les hommes qui sont encore dans cette situation de péché, mais non pas d'un péché définitivement grave qui ne vaudrait plus de la place de Dieu et de la grâce du Seigneur. Il s'agit avant tout, eh bien, de ces hommes qui ont été capables d'aimer, mais qui n'ont pas laissé la grâce suffisamment agir en eux. Alors l'homme ressent, dès ce moment du jugement particulier, devant l'amour du Seigneur, en disant « Seigneur, j'ai besoin de ce temps. Cette grâce que tu m'as offerte, j'en ai pas suffisamment vécu. » C'est encore avec toute la liberté humaine et la conscience humaine qui ne disparaît pas après la mort, mais dans cette opération vérité qu'est la mort, que l'âme ressent alors ce besoin extrêmement fort, qu'au plus profond de cette vérité de la révélation du jugement, qu'il y ait ce temps de maturation, de la miséricorde de Dieu, comme d'une longue retraite avant de pouvoir jouir de la grâce même, de la présence de Dieu dans la vision béatifique. Il y a un enjeu considérable aussi dans cette prière pour les âmes du purgatoire. Je pourrais vous citer de nombreux mystiques tels que Padre Pio, tels que, qui n'est pas encore béatifié, tels que Maria Sima, mais qui avait été quand même reconnue par son évêque et qui, elle, voyait les âmes du purgatoire tous les jours. Tous les jours, les morts lui apparaissaient. Ce n'était pas très facile à vivre. Tous les jours, toutes les nuits, elle avait la vision des morts. C'était sixième sens en réalité. Et alors, la pauvre fille, eh bien, voyait réellement ces âmes qui apparaissaient parfois sous la forme même de leurs péchés. Certains apparaissaient sous forme de crapauds, ça calmait. Et qui lui demandaient réellement la prière, la messe, le sang du Christ qui puisse nous délivrer. C'est cette solidarité qui est nécessaire. Sainte Faustine a eu la vision d'une religieuse qui lui apparaît en pleine nuit et dit « Je suis au purgatoire ». Elle lui apparaît avec un visage déformé, comme, vous voyez, pour montrer qu'il y avait un profond malaise dans cette âme qui ne pouvait pas encore voir le Seigneur. Alors Sainte Faustine prie profondément pour elle. Le lendemain, elle apparaît avec un visage encore plus tordu, dit le texte. La pauvre bonne sœur est complètement défigurée.
Alors elle se demande pourquoi. Tu n'as pas assez prié. Tu n'as pas assez prié. Oui, mais enfin, si c'est pour m'apparaître tordue à chaque fois, je préfère ne plus prier pour toi. Alors qu'est-ce qu'elle a fait, Sainte Faustine? Elle a eu confiance dans la miséricorde divine. Confiance dans cette miséricorde. Elle a supplié la miséricorde. Et alors la religieuse lui est apparue dans toute la gloire du ciel avec un corps resplendissant. Et cette fois, le visage était remis de côté. Enfin, bien en place. Mystère de la prière. Le Seigneur veut que nous soyons solidaires des uns des autres, dans un mystère de charité, en union avec le Christ, pour que dans ce temps du purgatoire, eh bien, nous puissions petit à petit ouvrir notre cœur. Et chaque âme du purgatoire qui vit à la fois une grande souffrance, et Sainte Catherine de Gênes, qui a aussi ses visions des âmes du purgatoire, dit en même temps, ça peut paraître contradictoire, mais que c'est un moment de joie, car les âmes sont conscientes au fur et à mesure qu'elles avancent de la gloire de Dieu. Elles sont comme des âmes qui ne peuvent pas encore boire, qui sont près d'un océan et qui ne peuvent pas encore goûter à cet océan de joie, mais qui au fur et à mesure de ce temps de purgatoire s'approchent de cette gloire du Seigneur. Dans ce magnifique traité des âmes de purgatoire de Sainte Catherine de Gênes, nous voyons alors la miséricorde de Dieu qui vient. Et dans les apparitions qu'ont eues parfois des saints, ils voient Marie qui intervient dans ce purgatoire, dans cet état, puisque ce n'est pas un lieu, mais d'abord un état où Marie vient soulager les âmes du purgatoire pour les faire avancer vers cette gloire de Dieu, purgatoire fruit de la miséricorde du Seigneur. Sainte Faustine, alors qu'elle priait vraiment, et c'était son désir, et le chapelet, vous savez, la miséricorde est faite pour les mourants, ce que le Seigneur lui a révélé, et Sainte Faustine était vraiment dans cette soif des âmes, et elle était toujours peinée quand elle voyait qu'une âme n'était pas encore prête. Alors elle priait, et au cours d'une nuit, elle voit une meute de chiens noirs qui arrive vers elle et qui lui dit, ils se mettent à aboyer et ils lui disent, tu nous as arraché une âme cette nuit. Vous voyez, les démons étaient apparus sous forme de chiens et pas de chats, je suppose, je note, sous forme de chiens noirs, et qui lui dit, voilà, tu m'as arraché une âme. Alors dans un premier temps, elle est terrorisée devant cette meute de chiens démoniaques. Et là, l'un des chiens se met à hurler, il est là, il est présent, il est avec elle, nous ne pouvons rien faire. Elle se confie à la miséricorde de Dieu, et par sa prière et sa confiance dans la miséricorde, elle a arraché cette âme à ses démons. Le purgatoire est là pour que nous puissions un jour voir la gloire de Dieu. Toute âme au purgatoire est déjà dans la voie du salut. Elle est déjà dans ce cheminement vers la gloire éternelle. Aucune âme du purgatoire, et vous le savez que le purgatoire cessera à la fin des temps, car au moment de la fin des temps, ça sera le jugement général définitif. Ça sera le jugement définitif pour que la gloire et la miséricorde de Dieu puissent transparaître sur toutes les âmes, et tous ceux qui seront au purgatoire pourront s'élever vers la gloire du ciel. Mais là où la miséricorde apparaît dans toute sa gloire, dans sa gloire totale, et ce pourquoi la miséricorde nous est offerte, je vous le disais, c'est pour la béatitude, c'est pour voir Dieu tel qu'il est. C'est toujours triste que les prêtres ne prêchent pas plus non plus sur le ciel. On a l'impression qu'on va s'embêter au ciel. Ou on a parfois des termes philosophiques et qui sont justes, mais qui ne sont pas évidemment très excitants, du style la contemplation de l'acte pur. Une fois que vous avez dit ça, vous vous dites, oh là, ben ça va être charmant. Eh bien non. Quantité de saints ont pu avoir, par anticipation, cette gloire du ciel. Ont pu s'apercevoir, ont pu voir le ciel se déchirer et ont pu voir, sans tout saisir, sans tout comprendre, ce qui allait se passer. Je pense à Saint Jean Bosco, mais aussi Padre Pio, et quantité de saints ont ressenti cette joie immense à l'idée de voir Dieu. Que nous dit l'Écriture ? Que nous vivrons éternellement avec lui, que nous sommes faits pour ressusciter et que nous le verrons tel qu'il est. Saint Paul nous dit dans la deuxième épître aux Corinthiens
que si le ministère de la condamnation, c'est-à-dire de l'Ancien Testament, condamnation parce qu'il était question de la loi et le cheminement qui devait se faire devait être un cheminement par la loi, si le ministère de la condamnation était déjà un ministère de gloire, parce que Moïse sortait avec un visage rempli de la gloire de Dieu, alors combien plus sera le ministère de la justice, de la sainteté ? Ce Nouveau Testament, qui est ce nouveau ministère et cette nouvelle alliance, nous offre une gloire inimaginable. Alors nous ne pouvons plus être comme Moïse qui était obligé, nous dit saint Paul, de cacher son visage parce qu'il avait peur que la gloire du Seigneur n'apparaisse plus. Au début, c'était parce que les rayons étaient trop forts et du coup, ça éblouissait les hommes. Mais ensuite, par pudeur, il était comme obligé de cacher son visage parce qu'il voyait que cette gloire disparaissait, que cette lumière disparaissait. Alors saint Paul nous dit, maintenant, le visage du Seigneur resplendit en nous, la gloire du Seigneur est dans notre cœur. Et cela commence déjà maintenant, mais dans la foi, sans la vision de Dieu. Mais alors nous le verrons tel qu'il est. La miséricorde de Dieu arrive donc à sa finalité. C'est que nous soyons divinisés pour voir Dieu et vous le voir éternellement. Ça veut dire que tous les bonheurs réunis du monde ne valent pas le bonheur d'une seule âme qui est dans la gloire du paradis, parce que nous sommes que dans le domaine de l'infini. Nous, nous sommes là toujours avec des visions très finies, très petites. Nous avons des histoires de petits bonheurs. Nous, c'est des voyages au Club Med. C'est gagner un peu ceci, gagner cela. Tout ça est minable, minable. Nous sommes faits pour l'infini, pour la gloire de Dieu. Alors nous n'arrivons pas à concevoir l'infini. On est un peu comme des animaux à qui on proposerait d'aller, je ne sais pas, dans un restaurant 4 étoiles. L'animal, il ne comprend pas. Alors nous sommes un peu, eh bien, comme des animaux qui n'arrivons pas à saisir l'immensité de la gloire qui nous atteint. Est-ce que vous vous rendez compte que toutes nos facultés devront être divinisées pour jouir de la présence même de Dieu? Notre intelligence, notre volonté, notre mémoire, toute notre connaissance et notre corps participera à partir du jugement général à cette gloire céleste. Nous serons transformés par la gloire de Dieu pour toujours. Mais voilà ce qu'est notre foi chrétienne. Et Jésus qui ressuscite dans la gloire, c'est pour que nous-mêmes, nous ayons des corps spirituels, nous dit saint Paul, et que nous ayons ce corps de gloire. Ça doit nous donner une joie immense. C'est pour cela que le chrétien, face à la mort, doit toujours être quand même dans la paix, ne pas être désespéré, parce qu'il sait que la mort, aussi terrible soit-elle, va être la porte vers la finalité de la miséricorde. C'est véritablement transparaître de la gloire de Dieu. Parce qu'il y a une vertu, nous dit saint Paul encore dans l'épître aux Corinthiens, qui ne finira jamais, c'est la charité. Et ce n'est pas uniquement pour le voir, c'est une communion avec lui. Nous sommes divinisés pour vivre de l'amour infini de Dieu. Nous sommes associés au mystère trinitaire pour vivre une histoire d'amour incroyable. Et nous savons bien que sur terre, déjà, ce qui nous rend le plus heureux, c'est la charité, c'est l'amour. Mais là, cette fois, ça sera un amour sans l'ombre. Sans l'ombre d'une séparation, sans l'ombre d'une mort. Nous sommes cette fois dans la puissance infinie. Alors la miséricorde de Dieu et le triomphe dans la résurrection étaient pour que nous vivions de la gloire. Je leur ai enseigné ton nom, Seigneur, afin qu'ils aient la gloire en eux. Cette gloire commence à venir maintenant en nous, par les sacrements, par la foi, par la charité. Mais nous le verrons alors dans toute sa puissance. Prions pour que la miséricorde éclate dans nos âmes et que nous soyons remplis de la gloire de Dieu. Amen.